Bonjour, l'audience est ouverte. Vous pouvez vous asseoir. Madame. Bonjour, messieurs, dames. Bonjour, madame. Il vous est reproché d'avoir, le 26 mars 2010, volontairement exercé des violences sur mademoiselle Éléonore, votre descendante, en ligne directe, votre fille. Ces violences ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas 8 jours, en l'espèce 8 jours. Vous reconnaissez les faits qui vous sont reprochés ? Je reconnais effectivement avoir été obligée de me défendre contre une agression de ma fille. Alors, je vais vous laisser la parole, je vais faire un résumé. Sinon, vous allez vous lancer dans des explications. Je vais faire le résumé des déclarations des uns et des autres. Et après, je vous laisserai la parole. D'accord. Alors, les faits qui vous sont reprochés ont été commis à votre domicile, en tout cas... ce qui était votre domicile à l'époque, je ne sais pas si vous êtes à la même adresse. Vous aviez ce jour-là, à la maison, votre fille, l'une de vos filles en tout cas, qui est mineure, puisqu'elle est née en 1993. Et les policiers se sont transportés sur les lieux, au domicile de monsieur... averti par ce dernier de ce que il y avait eu une altercation, ou plutôt, on n'en faisait pas état dans l'immédiat, de ce que vous étiez retranché dans une chambre avec une arme de type sabre. Les policiers ont maîtrisé la situation très rapidement, en fait, vous êtes sorti de la chambre sans trop de difficultés, et... compte tenu de votre état, puisque les policiers estimaient que vous étiez dans un état d'excitation très avancé, de par vos propos, de votre comportement, une procédure d'hospitalisation d'office a été mise en place. Et de fait, vous vous êtes retrouvé, après un certificat médical d'un médecin traitant, hospitalisé. Les policiers ont en fait constaté sur place qu'il y avait une altercation très sérieuse entre vous et votre fille, Éléonore, et qu'au cours de cette altercation, vous lui aviez porté des coups. Et les policiers constataient également que vous portiez sur vous des traces de coupures. Il a été indiqué par plusieurs témoins, par tous les témoins en définitive, que ces coupures que vous portiez, notamment sur les bras, sur votre corps, avaient été provoquées par vous-même. Éléonore, lorsqu'elle a été entendue, a expliqué que vous étiez dans un état d'excitation, d'énervement très avancé, et que vous l'aviez frappée à plusieurs reprises. Elle disait que vous lui parliez méchamment. Elle indiquait que vous aviez des problèmes psychiatriques, elle l'indiquait au préalable, et elle donnait la description suivante des violences. En fait, vous aviez pris prétexte, selon elle, alors que c'était le vendredi soir, de devoirs qu'elle devait faire. Elle avait répondu, dit-elle, sans insolence, qu'elle pouvait les faire le lendemain. Et vous l'auriez saisie par les épaules. Elle vous aurait demandé de la laisser. Vous l'auriez amené de force vers la fenêtre. Vous l'insultiez dans le même temps. Et elle précise que, alors qu'elle avait une écharpe autour du cou, vous aviez saisi les deux extrémités de l'écharpe et que vous aviez commencé à tirer dessus pour l'étrangler. Elle a crié, monsieur... a entendu les cris et est montée. Elle indique qu'elle vous a mordu la main gauche, qui maintenait l'un des bouts de l'écharpe. Et pendant que le beau-père montait, vous continuiez à lui donner des gifles.
Elle précise aussi que vous lui avez tiré les cheveux et que vous avez projeté sa tête contre un mur ou contre le sol. Pouvez-vous donner votre version des faits, madame ? Eh bien, déjà, ça s'est passé en deux jours différents. Le premier soir, effectivement, ma fille était dans le bureau professionnel de mon ex-compagnon, où il était interdit d'aller téléphoner, de se servir de la ligne professionnelle pour appeler et de se servir de l'ordinateur parce que régulièrement, il y avait des virus. Ma fille s'était interposée dans des questions de pension alimentaire entre son père et moi puisqu'elle était revenue vivre chez moi. Et on avait eu une grave explication déjà le mercredi où je lui avais expliqué les griefs que j'avais contre son père parce qu'elle entendait se faire payer à elle-même, à 16 ans, une pension alimentaire alors qu'elle avait besoin de soins, qu'elle était anorexique et que c'était une question de responsabilité entre adultes. Je lui avais dit qu'elle n'avait plus à s'occuper de ça. Je l'ai retrouvée le vendredi soir dans le bureau où elle était en train de téléphoner à son père. Je lui ai demandé de me restituer le téléphone. Elle me l'a jeté à la figure, elle m'a mordu à la main. Elle m'a donné des coups de pied dans les tibias. Je l'ai effectivement attrapée par les cheveux ou par ceci. Et elle a appelé son père au secours à ce moment-là. Je l'ai traînée dans sa chambre et je lui ai dit, oui, effectivement, puisque c'est une question matérielle qui t'intéresse à ce point-là et que tu appelles ton papa au secours, tu vas y aller chez ton papa. Elle continuait à m'insulter. Je l'ai collée contre l'armoire. J'ai ouvert l'armoire et les affaires. Je lui ai dit, maintenant, tu prends tes affaires et tu vas y aller, puisque c'est la solution qui t'intéresse, c'est la solution matérielle. En revanche, le lendemain, à la suite de ces événements, j'ai fait une tentative de suicide. Effectivement, j'avais des armes, j'ai des katanas, j'ai fait des arts martiaux, et je me suis blessée moi-même. Les médecins sont venus à ce moment-là. L'hospitalisation d'office a été annulée par vice de procédure. J'ai été ensuite entendue à l'hôpital en expertise psychiatrique et il m'a demandé si je considérais que j'étais irresponsable de mes actes ou non et je lui ai dit que jusqu'au bout je restais responsable de mes actes. Alors, je n'ai pas moi-même porté plainte, le lendemain je n'ai pas été montré que j'avais des bleus, une ecchymose à la pommette où elle m'avait frappé avec le téléphone, qu'elle m'avait mordu au sang et que j'avais les tibias pleins de bleus de haut en bas. Et ce soir-là, donc, j'ai appelé le père et lui ai demandé de venir la chercher. Les premières paroles de mon ex-mari a été « Ben, nous avons un certain problème, il va falloir trouver une famille d'accueil pour Éléonore. » Alors, madame, c'est exact ce que vous avez dit. Effectivement, c'était la veille que les faits se sont produits, que les policiers sont arrivés le lendemain suite à votre comportement signalé par votre compagnon de l'époque. On a parlé de troubles psychiatriques, votre fille a parlé de troubles psychiatriques. Connaissez-vous vos troubles ? Est-ce que, selon vous, vous avez des troubles psychiatriques ? Et si c'est le cas, quels sont-ils ? Dépression sévère de l'adulte. Dépression. En revanche, ma fille, lorsqu'elle a été emmenée le premier soir par mon ex-mari à l'hôpital, elle-même était anorexique, ce qui est un état particulier qui se détermine par parfaite volonté de totalement maîtriser et son corps et son entourage. Et quand elle est allée à l'hôpital de Monceau, à Jean-Bouvry, l'ordonnance qu'elle a eue ce soir-là, ça a été une ordonnance de Solian, qui est un antipsychotique. Alors, les 8 jours d'ITT, en fait, 2 jours après, elle partait en vacances que je lui avais payées à Rome pendant les vacances scolaires. Elle a ramené de très belles photos où elle est très souriante. Alors, parler de l'incapacité totale de travail. Il y a un certificat médical d'un généraliste qui a constaté les lésions compatibles avec des griffures sur la main droite et dans la région claviculaire gauche, des ecchymoses de la jambe droite, des hématomes thoraciques antérieurs gauche, des hématomes de la cuisse droite et des ecchymoses cervicales latérales gauche compatibles avec des marques laissées par une compression. Et au vu de cela, ce médecin a fixé une incapacité totale de travail de 8 jours. Il ressort de l'enquête de police que ce n'est pas la première fois que vous montrez violente. Bon, j'ai bien compris que vous contestez. Vous ne contestez pas avoir un comportement violent, mais que c'est un comportement de violence en réaction. Mais parlons de ce qui ne vous est pas reproché, mais du contexte. Il ressort de ce que disait Éléonore que vous étiez parfois violente.
Vous aviez des périodes de grande excitation, de grand énervement, et que vous aviez notamment, un jour, en 2007, frappé très violemment, ou envoyé en tout cas un objet lourd sur votre compagnon. C'est exact ? C'est exact. Il m'a insulté depuis des heures, et je lui demandais de quitter les lieux. Suite à quoi, il m'a tabassé et j'ai passé 15 jours à l'hôpital, avec une chaise. Le docteur indique que vous présentez comme une personnalité très mal structurée de type état limite, avec une immaturité affective, une impulsivité, une instabilité. L'humeur est de type anxio-dépressif, d'après elle, depuis qu'elle est à Montceau-les-Mines, avec une recrudescence ces derniers mois. L'histoire de la patiente et l'étude du dossier médical mettent en évidence une bipolarité avec des variations de l'humeur de type mixte. Vous connaissez cette expression de bipolarité ? Oui. Les médecins l'utilisent lorsqu'ils parlent de votre état ? Ils parlent de dépression sévère de l'adulte. Je n'ai que des antidépresseurs et des anxiolytiques. J'ai 5 antidépresseurs par jour et 3 anxiolytiques et des somnifères pour le soir. Je sors de sevrer là, la semaine dernière, pour pouvoir assister ici. J'étais hospitalisée puisque je viens de subir deux deuils. Le décès de ma mère le 14 mars et le compagnon de ma fille 3 semaines après. J'ai aussi à m'occuper de mon autre fille parce qu'apparemment elle semble ne pas exister pour son père. Elle a vécu quelque temps chez lui. Le médecin qui a fait le certificat, c'est un médecin que j'avais mis en cause pour les prescriptions de Subutex à ma fille, alors que ma fille ne se droguait pas aux drogues dures. Une autre fille? Oui, qui est maintenant adulte handicapée. C'est moi qui m'en occupe. Son père l'a mise à la porte quand elle avait 18 ans, parce qu'elle posait des problèmes à son domicile dans la mesure où il venait de se remarier et d'avoir un bébé. Il s'est complètement désintéressé de cette fille. Et il a laissé se droguer par piqûre. Elle a obtenu ses médicaments sans qu'il y ait aucun examen préalable pour qu'elle l'obtienne. Elle a eu le Subutex qui devait être pris normalement en pharmacie et devant le pharmacien. Elle a eu les boîtes en direct. En 2007, elle a été hospitalisée dans un état grave. Et c'est là que j'ai été moi-même la première fois hospitalisée à Sevray. Alors, je poursuis le rapport d'expertise. Le docteur indique que vous estimez que vous étiez tout à fait consciente de vos actes. Vous n'éprouvez aucun sentiment de culpabilité. Au contraire, vous estimez avoir réagi en parent responsable devant une fille malade qui refuse de se soigner. Un peu plus loin, il note que vous sentant coupable de la colère contre votre fille, vous étiez tailladé sur les bras, les jambes, le corps. L'expert conclut, on peut considérer qu'au moment des faits, elle n'était pas atteinte d'un trouble psychique ayant aboli son discernement, mais d'un trouble ayant altéré ce discernement et le contrôle de ses actes au sens de l'article 122.1 du Code pénal, en raison de son trouble grave de personnalité. Il est indispensable qu'elle bénéficie d'un soin régulier sur le plan psychiatrique, avec un traitement adapté, y compris sous la forme d'une injonction de soins dans le cadre d'un suivi socio-judiciaire. Je suis suivie en permanence. Et je ressors de Sevray après une tentative de suicide au moment de Pâques. Y a-t-il des questions à poser, la partie civile ? Des questions ? Monsieur le procureur ? Non, pas de questions. Maître Fenoy ? Non, je n'ai pas de questions. Est-ce que vous souhaitez ajouter autre chose sur les faits, madame ? Pour le fait que ma fille ne veuille pas se soigner, mon ex-mari avait essayé d'expliquer que je m'en étais pas occupée. C'était tout à fait différent. Elle est venue chez moi, c'est moi qui l'ai récupérée alors qu'elle avait perdu énormément de poids. Elle ne reconnaissait néanmoins pas qu'elle était anorexique. Elle vomissait spontanément. J'ai fait toutes les démarches pour qu'elle soit suivie par un psychologue. Je l'ai passée sous Renutril, qui était le seul aliment équilibré qu'elle pouvait à peu près absorber et qui, même en faible quantité, lui apportait tout ce qui lui était nécessaire. Et elle refusait de se faire hospitaliser. Ce qui était dit entre elle et moi, c'est que si elle descendait, si elle franchissait la barre des 40 kilos, je la faisais hospitaliser d'office.
Alors, votre casier judiciaire ne porte trace d'aucune condamnation. Quelle est votre profession ? Contrôleur des impôts. Contrôleur des impôts. Vous êtes en exercice actuellement ? Je suis mise à la retraite pour invalidité. Depuis quand ? Depuis le 28 avril. Asseyez-vous, madame. Maître, vous avez la parole pour la partie civile. Oui, monsieur le président. Alors, ce soir-là, Éléonore pense qu'effectivement sa maman est en train de dormir dans sa chambre. Elle est au téléphone, effectivement, avec son papa, et madame va surgir dans le bureau en lui demandant d'aller faire ses devoirs. Il n'est pas question d'un problème de pension alimentaire. On est à 9h30 du soir. L'enfant va lui répondre très poliment qu'elle pourra aller faire le lendemain matin. Et à ce moment-là, madame va effectivement l'empoigner. Elle l'indique d'ailleurs, puisque elle dit, je cite, « Je l'ai chopé et je l'ai expédié dans sa chambre ». On est avec quelqu'un qui va se livrer à un véritable acharnement sur sa fille. Elle va finir par l'empoigner, l'enfant veut sortir de la chambre, elle va l'empoigner par son châle, et elle tente effectivement de l'étrangler. Le certificat médical corrobore parfaitement ses déclarations. Aujourd'hui, madame, elle n'est pas dans une dynamique de vous dire « Oui, je me suis peut-être emportée, j'ai peut-être été un peu trop vive ». Pas du tout. Qu'est-ce qu'elle vient vous dire ? Elle vient vous dire que, de toute façon, c'était la faute de sa fille et qu'elle estime qu'elle était dans son bon droit et qu'elle s'était comportée en parent, entre guillemets, responsable. Elle dit « De toute façon, c'est elle qui viendra s'excuser ». Elle n'a pas un sou de regret, pas un sou de remords. Et depuis les faits, madame n'a pris strictement aucune nouvelle de sa fille. Je rappelle que les faits ont quand même été commis au mois de décembre 2009. Elle a été condamnée à verser une pension alimentaire qu'elle n'a pas davantage versée. Madame présente toujours une version, je dirais sa version des faits. Elle travestit de manière permanente la réalité. C'est quelqu'un qui est extrêmement manipulateur. J'en veux pour preuve deux éléments. Monsieur indique « Françoise s'est fait elle-même plusieurs entailles au cutter sur le corps, partout, poignets, chevilles, bras, ventre, entre-cuisses, il y en avait partout. Françoise me disait que c'était Éléonore qui en était l'auteur. » Autre exemple, lorsque les policiers vont intervenir le lendemain, ils expliquent ceci « Elle passait devant nous et utilisait l'escalier pour rejoindre le rez-de-chaussée. Elle chutait très grossièrement et volontairement. Ceci fait, elle arguait que nous avions tenté de la violenter. » Donc on est effectivement avec quelqu'un, j'irais, qui est dans une démarche avec une intention de nuire persistante et permanente. Alors, sur les faits, les constatations matérielles, j'irais, elles sont avérées, il n'y a pas de discussion sur le préjudice qui a été subi par Éléonore. Éléonore, c'était une jeune fille qui était déjà anorexique. Suite à ces faits, son état, effectivement, ne s'est pas amélioré. Elle a dû arrêter sa scolarité parce qu'elle a dû être hospitalisée. Et elle n'a pas pu faire d'ailleurs un voyage en Italie, et j'en atteste également par le certificat médical, elle avait un voyage prévu en été qu'elle n'a pas pu faire davantage. Éléonore a été prise en charge parce qu'il y a eu un retentissement psychologique très important, et au jour d'aujourd'hui, il y a toujours effectivement une prise en charge. Vous verrez que depuis, Éléonore, heureusement, a redressé la barre. Malheureusement, Éléonore, elle est toujours très affectée par ces événements, parce que c'est des souvenirs qui sont encore prégnants. Donc, je vous demanderai d'entrer en voie de condamnation à l'encontre de madame, de faire en sorte que celle-ci, effectivement, comprenne qu'on ne peut pas impunément, se livrer à des débordements sans s'en interroger ultérieurement et sans avoir aucun remords. Et puis, parce qu'il est d'importance aussi pour Éléonore que la justice passe. Le psychologue qui la suit considère qu'effectivement, ça ira dans le sens de, sa thérapie. Et qu'il est donc d'importance que madame soit condamnée aujourd'hui. Merci, maître. Monsieur le procureur. Bien, monsieur le président, fort heureusement, tous les différends entre les mères et leurs filles adolescentes ne finissent pas devant le tribunal correctionnel. Si l'affaire qui nous occupe aujourd'hui pourrait sembler de prime abord être justement à classer dans cette catégorie de différends mère-fille, ça n'est pas le cas pour autant, parce qu'il est bien évident que sinon ça aurait été orienté différemment et vous n'auriez pas eu à en connaître. On est bien au-delà, à mon sens, dans cette affaire d'une correction d'un ascendant sur un de ses enfants, et on est au-delà d'une réaction proportionnée à une agressivité de la part d'une jeune fille. Alors, le point de départ de cette altercation entre madame et sa fille, qu'il s'agisse d'une affaire de devoir à faire ou de discussion houleuse sur une pension alimentaire, j'allais dire
bien malin celui qui ferait la part des choses entre la version de la prévenue et celle de la partie civile. Moi, ce que je constate, et c'est véritablement de l'ordre du simple constat, je ne souhaite pas me livrer à une psychanalyse quelconque, ça n'est pas mon métier et je sortirai de mon rôle, c'est qu'on a une famille qui fonctionne de manière pathologique. Je dis que c'est un simple constat parce qu'on a une accumulation de difficultés d'ordre psychologique ou psychiatrique dans cette famille qui fait que, de toute façon, les relations ne peuvent pas être normales. Alors, sur le déroulement de l'altercation en lui-même, il faut faire la part des choses entre ces deux versions, si vous voulez prendre une décision, Monsieur le Président. J'allais dire qu'on a des éléments objectifs, en tout cas des éléments extérieurs à cette famille que j'ai qualifiée de pathologique, qui, à mon sens, nous permettent de faire pencher la balance. On a déjà des déclarations de plusieurs témoins. On a un certificat médical qui a été fourni à l'appui de sa plainte par Éléonore. On a un autre élément qui me semble important à prendre en compte, c'est le procès verbal qui est fait par les policiers quand ils interviennent. Ils décrivent quelqu'un qui est véritablement dans cet état d'hyperactivité, qui est même dans un état de confusion d'esprit assez significatif. C'est quelqu'un qui va leur parler de la Gestapo quand ils vont se présenter comme étant des policiers. On va avoir un discours qui est quand même pas très loin d'un discours délirant, en tout cas qui mêle des éléments de réalité et des éléments d'une espèce de délire de persécution. Alors, au vu de l'ensemble de ces éléments, pour ma part, je vous demanderai bien évidemment de déclarer madame coupable des faits qui lui sont reprochés. Le point suivant est bien évidemment la question de la sanction que vous devrez prononcer à l'encontre de madame. C'est le point peut-être le plus délicat. Pour ma part, je suis réservé sur une obligation de soins imposée par la justice parce que ces soins sont beaucoup plus pertinents s'ils sont suivis à l'initiative de madame, qui me semble malgré tout avoir conscience de la nécessité de suivre ces soins, plutôt qu'imposé par la justice, avec en plus les difficultés de suivi que vous connaissez de la part de l'institution judiciaire. Donc pour ma part, je pense qu'une peine d'emprisonnement assortie d'un sursis simple serait suffisante, et je vous propose donc de condamner madame à une peine qui pourrait être de 6 mois d'emprisonnement avec sursis, une peine d'avertissement qui, j'espère, conduira à ce qu'on ne la revoie pas devant un tribunal, que ce soit pour des litiges d'ordre familial ou autre. Merci, monsieur le procureur. Maître Fenoy. Je suis à la fois très surpris et très mal à l'aise dans cette audience. Je connais, pour différentes procédures, madame depuis assez longtemps. Je connais donc ses difficultés relationnelles et sa profonde dépression, que l'on va même jusqu'à appeler la maladie bipolaire, ce qu'on appelait autrefois le syndrome anxio-dépressif. Et alors que, déjà un peu la partie civile, mais surtout, monsieur le procureur, ont insisté sur cet aspect médical de ce dossier, j'entends des réquisitions de 6 mois de prison avec sursis. Je ne comprends pas. Parce que, ou bien madame est responsable de ses actes, et alors là, vous savez mon goût pour le paradoxe, monsieur le président, mais on pourrait imaginer qu'elle a voulu étrangler sa fille et c'est de la compétence de la cour d'assises. Ou bien on est, et ça a fait l'objet de tous les débats jusqu'ici, devant une personne qui a une véritable maladie psychique, et alors, on peut imaginer à l'extrême rigueur une demande de sursis avec mise à l'épreuve, mais moi je vais plus loin, c'est une relaxe que je vais plaider. C'est une relaxe. Alors, il y a de la passion, il y a de la violence. Mais c'est une violence pathologique, mais il y a aussi de l'affection. Et combien de fois, depuis des années, ai-je entendu madame me dire, je vais être très honnête, à tort ou à raison, mais me dire qu'elle avait l'impression d'assumer seule ses deux filles. Alors voilà le climat. On est dans un climat d'une querelle conjugale non réglée. On a une fille qui se drogue. On en a une autre
qui est anorexique. Et vous avez quelqu'un au milieu de tout ça qui craque, qui est malade, qui est d'ailleurs en invalidité depuis quelques années de la fonction publique. Bah, c'est pas, on l'invente pas, sa maladie. Madame n'a rien à faire dans une instance pénale. Ceux qui doivent prendre en charge Madame, ce sont des psychiatres. Nous ne comptons plus les tentatives de suicide, ni les siennes, ni celles de ses proches. Alors, au milieu de tout ça, son ex-mari a peut-être beau jeu. Vous portez beau, monsieur, c'est bien. Vous avez récupéré la pauvre enfant, martyrisée par sa mère. Allons, allons. Hein, n'en disons pas trop non plus sur ce chapitre-là, parce que ça n'est pas la vérité que Éléonore ni Rosanne aient été martyrisées par leur mère. Leur mère souffre effectivement d'une maladie bipolaire. Les deux enfants ont souffert d'une part des répercussions de la maladie maternelle et d'autre part du climat toujours très tendu, puisqu'il y a eu je ne sais combien d'allers-retours entre chez le père, chez la mère, des gardes alternées, on est allé 3 ou 4 fois devant le juge aux affaires familiales. Tout cela est très compliqué, mais ça ne relève pas du droit pénal. Et je suis très surpris qu'un médecin expert se contente de dire, puisque madame se dit responsable elle-même, c'est qu'elle l'est. Eh bien non, elle est prise dans une tourmente, une véritable tourmente, en elle-même et à l'extérieur d'elle-même. Et moi, je vous demande, pour toutes ces raisons, même si les faits, dans leur matérialité, ne sont pas totalement contestés, je vous demande de relaxer. Monsieur le Président, je connais bien madame. C'est quelqu'un qui, d'abord et avant tout, souffre. D'abord et avant tout, elle souffre. Elle a de l'affection, de l'amour pour ses deux filles. Elle s'occupe et de l'une et de l'autre, alternativement quand elle en a la possibilité. Puis elle craque quand elle craque. Ou bien elle se retrouve à sevrer, ou bien elle tape, ou elle a une explosion de violence, ou les deux. Mais elle n'a, encore une fois, rien à faire devant une instance pénale. Merci, maître. Madame, vous pouvez regagner votre place dans l'assistance. La décision sera rendue après la suspension. Veuillez vous lever, s'il vous plaît, messieurs, dames. L'audience est reprise. Vous pouvez vous asseoir. Approchez. Alors, à la barre. Madame, après en avoir délibéré, le tribunal vous déclare coupable des faits qui vous sont reprochés. En répression, vous êtes condamnée à la peine d'un mois d'emprisonnement avec sursis. Alors, madame, concrètement, vous avez une peine de prison qui a été prononcée contre vous, mais avec sursis. Cette peine de prison d'un mois est au-dessus de votre tête pendant 5 ans. Si vous n'êtes pas à nouveau condamné pour un délit, que ce soit sur votre fille ou sur n'importe quel délit, à l'emprisonnement, ce sursis sera considéré comme non avenu. Cette condamnation sera non avenue. Mais si vous êtes à nouveau condamné, le sursis sera automatiquement révoqué. Vous effectuerez le mois de prison plus la nouvelle peine. Vous pouvez disposer, madame.